Alcini Makane Rakake, bonjour. Bonjour. Récemment, vous étiez avec le chef de file de l'opposition et votre frère, c'est à moi, comme vous aimez bien le dire, Papa Koly Kourouma en France. On a vu certaines de vos photos sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut savoir brièvement de quoi est-ce que vous avez échangé, entre autres, à Paris? Vous savez, il y a un peu plus d'un an, nous nous sommes retrouvés à Paris. Mon frère jumeau est l'âge Papa Koly Kourouma. Et elle a essayé Loudal un dialogue où on a eu un entretien autour d'un dîner. Après cela, nous avons enclenché une dynamique. Et fort heureusement, cette dynamique aujourd'hui a fait du chemin. Et nous avons pris notre temps pour nous retrouver encore une fois à Paris, pour tirer les leçons, définir les nouvelles stratégies, et discuter pour renforcer notre alliance afin de faire en sorte que l'alternance en 2020 soit en notre faveur et en faveur du peuple de Guinée. On imagine que vous avez beaucoup parlé de... quand vous parlez de stratégie, vous avez parlé de manifestations notamment. Évidemment, nous avons parlé des manifestations, nous avons parlé des rencontres que nous avons heureusement eues avec les autorités françaises, avec la francophonie, avec d'autres personnes ressources, c'est-à-dire nos compatriotes vivant à l'extérieur, pour faire en sorte que le jour où nous allons engager les manifestations, qu'il y ait une synergie et des Guinéens de l'intérieur et les Guinéens de l'extérieur. Il faudrait que ce jour-là, que tout le peuple de Guinée, debout comme un seul homme, pour dire à Alpha Condé que nous ne sommes pas des moutons qu'on peut traîner partout. Nous l'avons élu pour deux mandats, même si beaucoup de personnes peuvent trouver beaucoup de si la façon dont il a été élu, mais puisque la Constitution a verrouillé le nombre et la durée du mandat, nous voudrions lui faire comprendre que toute tentative qui va au-delà de deux mandats est suicidaire pour lui. Et il faudrait que tout le monde soit au même niveau d'information, au même niveau de décision. Et je suis très heureux de vous dire que la grande majorité des Guinéens partagent cet avis. Et le jour où on va demander des manifestations, vous verrez les Guinéens debout comme un seul homme. Alors, l'actualité, c'est aussi la sortie médiatique de Dessou Condé qui n'est plus à présenter. C'est l'une des anciennes caciques du RPG Arc-en-Ciel qui vit actuellement au pays de l'oncle Sam aux États-Unis. On l'a entendu récemment sur un média de la place qu'elle a porté des accusations très dures à l'encontre du chef de l'État et de certains proches d'Alpha Condé, notamment des ministres, mais aussi certains responsables de son cabinet à la présidence. Elle a dit qu'Alpha Condé aurait un compte de plus de 2 milliards à l'extérieur. Et elle a cité certaines personnes comme Bill Gates, c'est la Bill Gates qui aurait un pavillon à Paris. Elle a cité beaucoup de ministres également. Est-ce que vous portez un petit crédit à ces accusations de Dessou Condé? Est-ce que ça doit inquiéter aussi les Guinéens ou bien les Guinéens doivent s'alarmer à travers ce qu'elle vient de dire? Bon, puisque moi j'ai été ministre, je suis convaincu que ce que la Guinée perd par an dépasse de loin tout ce que Dessou a cité. Par mesure de précaution, puisque je n'ai pas de preuves, je ne peux pas dire telle personne a détourné tel montant, telle personne a détourné tel montant. Mmh. Mais je sais que les montants qui passent à travers les mailles de la corruption sont de très loin ce que Dessou a dit. Mm-hmm. Mais pour le moment, on ne peut pas dire que ce que Dessou a dit, c'est faux, puisque les personnes citées sont là. Ouais. C'est à elles de prouver le contraire de ce que Dessou a dit. Évidemment. Je ne suis pas étonné qu'on me dise que le président a plus de 2 milliards. Quand on sait que la route de Kissidougou-Cancan seulement, pour la réalisation, l'État a débloqué, à ma connaissance, 300 millions d'euros, et que la route n'est pas exécutée, le patron de l'entreprise n'est pas inquiété, on n'a pas porté l'affaire en justice, et vous avez
la bauxite de Boké qu'on transporte bon à mal an à millions de tonnes, personne ne sait où l'argent là va. Et vous savez également que dans l'énergie, si on vous dit aujourd'hui combien de millions, des centaines de millions de dollars ont été engagés et dans la construction de la barrage Kalita et pour le transport et les différentes centrales qui ont été achetées, mais c'est plusieurs centaines de millions de dollars. Ça avoisine 1 milliard de dollars. Et lorsque on parle de cela, Bill Gates, ce qui est étonnant, il est intendant du chef de l'État. Mais tous les véhicules qu'on achète, c'est lui qui achète sans appel d'offres. Personne ne sait à quel coût. Mais avoir 150 véhicules pour lui, sauf s'il prouve le contraire, moi je ne serais pas surpris d'avoir même le quadruple de ce que madame a dit. Mais moi j'avais dit quelque chose une fois. J'ai dit, le tabala du voisin, voler c'est pas compliqué. Mais là où il faut taper, on pense que les Guinéens sont des moutons. Quand toi tu n'es plus avec lui, avec eux, on dit on va faire l'audit. Tu as pris 100 000 euros, tu as pris 10 000 euros, tu as pris ceci. Mais moi je dis à chacun, nous qui avons géré, chacun de nous va rendre compte à ce peuple-là. Ça c'est important. Mais il faut faire en sorte qu'on ait pitié de notre peuple. Il est inadmissible que certains ont des centaines de millions de dollars pendant que les étudiants n'ont pas de classe. Pendant que dans les villages, il n'y a pas de maître. Pendant que dans les villages, les enfants font 5 km à pied. C'est inadmissible. Donc aujourd'hui, si je ne peux pas dire que ce que Doussou a dit, c'est vrai, mais je n'ai aucune possibilité de nier. Mais le contraire peut me surprendre si c'est faux. Mais si c'est la réalité, ça ne me surprendra pas. Parce que si tout ce que vous avez vu, le gouvernement d'Alpha Condé, malheureusement, beaucoup de nos compatriotes pensent que tous les ministres sont dans le système. Je leur dis non. Il y a des ministres qui sont nommés justement pour faire simple coloration, pour ne pas dire que c'est eux seulement. Et vous avez remarqué, ces ministres ne durent pas, ils viennent, ils partent, personne ne peut vous dire pourquoi ils sont partis, qu'est-ce qu'ils ont fait pour partir. Alors que ceux qui sont là, et ils ne bougent pas, ils sont inamovibles, alors qu'ils n'ont aucune compétence avérée. Mais eux, ils sont du clan. C'est pas un gouvernement, c'est un clan qui gère le pays. C'est pourquoi toutes les prérogatives des ministres sont exécutées ailleurs. Même malheureusement, la mésaventure de Alpha Condé avec les étudiants. Je vous prie de me croire que le ministre en charge de l'enseignement supérieur ne connaît rien de ce qu'on appelle initiative présidentielle, un étudiant, une tablette. C'est un élément de son clan qui est venu dire, donc il faut dire un étudiant, une tablette. Il en fait pour lui une initiative. Mais c'est pas comme ça qu'on prend l'initiative. Quand on doit prendre l'initiative, si on dit un étudiant, une tablette, il faut dire d'abord, est-ce que c'est tous les étudiants qui sont maintenant étudiants qui doivent avoir la tablette, ils sont combien, ça coûte combien. C'est quand tu as toutes ces données, puis tu peux t'engager maintenant à leur donner les tablettes. Mais vous dites un étudiant, une tablette. On ne dit même pas que c'est ce qu'il est étudiant, ou même à chaque fois on est étudiant en Guinée, on a droit à une tablette. Parce que c'est ce que ça veut dire. Mais aujourd'hui, M. Alcine Makanera Kaké, on remarque aussi que la vindicte populaire gagne du terrain, l'impunité, on en parle sans cesse. Est-ce qu'aujourd'hui, à 3 ans de la fin du mandat d'Alpha Condé, est-ce que vous espérez rapidement que d'ici là, on pourrait arriver à un état où l'impunité serait un ancien souvenir? Non, je ne crois pas. Mais vous avez vu le comportement d'Alpha Condé avec les étudiants. Mais mon frère, j'ai vu différents présidents en Guinée. J'ai eu la chance de voir Sékou Touré. J'ai été même membre du CA à son temps. J'ai vu, avec tout ce qu'on a dit à Sékou Touré, j'ai vu les femmes crier sur Sékou Touré. Il a dit, vous avez raison, abat la police économique. J'étais là en 77, 27 août. J'ai vu Lansana Conté quand il nous a dit que l'État ne garantit plus l'emploi, il garantit la formation. On a crié sur lui. Mais ça, c'était des personnalités. Ça, c'était des présidents de la République. Quand ça a compté à garder le sang-froid, il a souri seulement, il a laissé la parole à Gérard Traoré, qui était ministre... Oui, je ne sais pas si c'était Gérard.
Je sais pas, non, non. En tout cas, il a passé la parole à un de ses ministres qui a expliqué pourquoi l'État ne pouvait pas. C'est avec lui seulement, je vois les étudiants demandent, ils se mettent à les insulter, insulter leurs parents. Mais un président est trop haut pour pouvoir insulter les étudiants, en plus forte raison, une population qui t'a élu. Mais lors de sa visite en Belgique, on voit aussi sur des pancartes où des Guinéens qui résident à l'extérieur, notamment en Belgique, des pancartes sur lesquelles on pouvait lire Alpha Condé mal élevé. Est-ce que vous pensez que c'était une bonne réplique de la part de certains de nos compatriotes aussi à l'extérieur? Bon, vous savez, moi je ne suis pas d'accord avec beaucoup de Guinéens. Vous savez, Dieu a dit, j'ai créé l'homme et je l'ai élevé. Donc il n'a pas dit le chef, il n'a pas dit le non-chef. Personne ne doit être insulté. Ouais. Donc si les gens condamnent le fait que les gens ont dit à Alpha Condé mal élevé en Belgique, il faut qu'on condamne de la même manière les gens aussi qu'on dit Alpha, la même manière le fait que Alpha Condé a dit aux étudiants mal élevé. Ouais. On ne doit pas dire ça à quelqu'un. Personne ne doit dire à Alpha Condé, Alpha Condé aussi ne doit dire à personne. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est quand on commence à dire non, on ne doit pas dire ça au chef. Non, d'ailleurs c'est le chef qui ne devait pas dire à personne, parce que le chef est une personnalité publique. Mais les parents des étudiants qui ont été insultés, c'est des pauvres innocentes, des personnes innocentes qui sont dans leur maison. On ne doit pas les insulter. Et puis les étudiants n'ont réclamé que la promesse du président qui a été faite. Je crois à partir de cette date, tous les Guinéens devaient avoir le souci. Parce qu'on peut basculer d'un côté à l'autre. Moi, je ne pouvais jamais comprendre qu'un président de la République, en l'occurrence Alpha Condé, professeur, que celui qui est au sommet de ses 80 ans, pourrait tomber aussi bas en cherchant à insulter et à intimider les Guinéens. Il faut qu'ils comprennent. Surtout des enfants. Il faut qu'ils comprennent qu'on a opté pour la démocratie pour ne pas qu'on ait peur du chef. C'est ça la démocratie. Ça veut dire, et lui, et le dernier des Guinéens, ils sont tous égaux devant la loi. C'est ça la démocratie. Mais si on doit avoir peur de lui encore vraiment, on est loin de la démocratie. Évidemment. J'espère lui-même, il ne doit pas être fier de dire les gens ont peur de moi. Évidemment. Personne ne doit avoir peur de lui. On doit avoir peur de la loi, peur de du peuple. Parce que c'est le peuple qui est le plus fort que tout le monde. Je crois que aujourd'hui la situation est telle que chaque Guinéen doit tirer la leçon et faire en sorte que Alpha comprenne qu'il a affaire à un peuple et non pas à des moutons. Monsieur Alcine Makanera Kaké, merci d'avoir répondu à nos questions. Tout le plaisir était pour moi.